Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, il est 9h39 et je viens de finir de tourner ce make-up que vous aurez mercredi, je crois, si ma mémoire est bonne sur mon petit planning. Donc c'est un full face beauty bay, voilà. Donc, je vais vous raconter rapidement mon petit week-end avant que ça coupe parce que je n'ai plus de batterie. Je commence bien la journée. Donc, le vendredi, ben, c'était le réveillon tout simplement. Mais avant, j'avais fait mon rehaussement de cils et de sourcils. Voilà, les cils, je ne sais plus vivre sans mon recourbement de cils. Voilà, donc j'ai fait ça l'après-midi avec une bonne sieste. Hein, parce que comme vous avez vu dans le précédent vlog, j'étais un petit peu malade. Bon, après, on était couché à 1h30 au matin, hein, voilà, on était que tous les deux avec chérie et les animaux, donc voilà. Le samedi, j'ai passé ma journée sur Netflix à regarder Winx et Warrior Nun. Là, je suis en train de me refaire Kirst la Rebelle et j'ai fait un DIY qui est juste ici. Je suis trop fière de moi, avec des pics à brochettes quand même, j'avais vu ça sur 5 minutes craft. Et voilà, donc là j'ai mis des petits flocons de neige parce que je changerai au fil des saisons les décos qui sont dans les cornes. Je pense que ça peut être sympa. Là je vais voir ce que ça donne au montage de la vidéo. Et dimanche j'ai tourné le swatch in make-up de la Virgo de Shiglam. Et du coup je suis descendue, j'ai commandé toutes les autres. Voilà, donc de toute façon vous l'avez déjà eu le swatch in make-up, je vous le remets en barre d'infos. Donc, on se fera une vidéo par jour quand je les aurai reçues. Mais je vous programme ça pour la première semaine de février. Enfin, les deux premières semaines de février. Voilà. Comme ça, ça me laisse le temps de les recevoir, de faire tous les swatchs, de filmer tous les swatchs, de faire les make-up et tout ça. Et on fera une vidéo par jour les deux premières semaines de février jusqu'à mon anniversaire, jusqu'au 11. C'est magnifique. Et donc, voilà. J'ai refait une commande Shein. Donc, vous aurez de nouveau un haul. Et voilà. Donc là, j'attends de voir si je reçois ma commande Beauty Bay et Glisten pour filmer le haul. Donc là, je vais aller recharger ma batterie, faire le montage de la vidéo, reboire un café, hein, bien évidemment. Et voilà. Donc si je reçois Glisten, je vous reprends pour vous montrer les swatchs. Je suis en train de faire des DIY comme ça avec les initiales pour les filles. Voilà. Donc, je vais achever ça aussi. Et voilà, là, je vais recharger ma batterie parce que l'appareil va s'éteindre dans quelques secondes. Alors, il est 9h08. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, chérie m'a envoyé un message, enfin, m'a téléphoné quand il est reparti du boulot. Il m'a dit, tu vas aller chez Action? Bah oui. En fait, j'y allais pour deux choses, pour débaguer ta brochette. Donc, je vous ai filmé le haul. Enfin, moi, je vais aller le filmer maintenant, mais vous l'avez déjà eu. Je vous remets en barre d'infos. Donc, je voulais des pics à brochette et des tubes de colle, parce que en ce moment, je suis à fond dans les DIY avec les pics à brochette. Je vais vous montrer celui que j'ai fait pour Amy. Je l'ai fini hier soir. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas bien, mais c'est un... Voilà, je lui ai envoyé la photo, elle m'a dit « Oh, c'est trop beau, il est au-dessus de mon bureau !» Donc là, je suis en train d'en faire un pour mon neveu avec des Mickey. Là, je viens... Attendez, j'arrive, je le pose sans le casser. Après, je vais l'emballer et enfin le mettre dans un sachet plastique pour pas qu'il prenne la poussière. Vu qu'on fait son anniversaire dimanche, donc je vais lui faire lui avec des petits Mickey. Donc j'ai imprimé des petits Mickey que j'ai dû colorier parce que j'ai plus d'encre colorée. Et des petits pompons. Que j'ai acheté également dans le hall. Je pense que je vais en faire un pour mes parents aussi, vu qu'on y va samedi pour l'anniversaire de Georges, puisque Sam a 15 ans dans deux jours, n'est-ce pas? Ça rajeunit pas cette histoire. Mais comme son anniversaire c'est le 6, et que ma mère a participé pour son téléphone qu'on lui a offert hier, en fait, parce que on est passé chez Base, donc c'est un fournisseur. De téléphone, de réseau téléphonique en Belgique. On a fait une super affaire. On lui a trouvé le A22 5G, donc Samsung. Hein. Il était à 149 € avec un abonnement à 20 € par mois. Donc nous, on lui rechargeait sa carte de 15 € par mois. Il n'avait que 3 Go d'internet.
Là, pour 20 euros, il est en appel illimité vers tout réseau belge, hein, bien évidemment. En message illimité vers tout réseau belge aussi. Et il a 10 gigas par mois d'internet. Donc, il est heureux comme un pape. Et on a payé 149 euros le téléphone. Donc, du coup, ça fait que notre cadeau de Noël plus le cadeau d'anniversaire de ma mère et de mon frère, qu'ils ont mis avec sur le téléphone, ça fait que nous, on n'a pas de cadeau d'anniversaire pour Georges, parce qu'on pensait mettre 200 balles. En tout, hein, voilà. Puisqu'on lui a mis l'équivalent du prix de la veste d'Enzo pour son anniversaire, donc 70 euros. Et on pensait mettre 50 euros pour son anniversaire, plus 50 euros de mon frère, les 50 de ma mère, les 30 de mon frère. Mais voilà que, bah, du coup, samedi, comme on va chez ma mère à Bastogne, puisque chérie doit aller chez Carglass, et ma mère, Carglass est là, ma mère habite là. Donc, on va manger chez elle pour l'anniversaire de Sam. Et du coup, il a dit, on repassera à Lydrion, lui acheter une paire de baskets pour son anniversaire. Comme ça, comme il sera avec, il pourra choisir, tout simplement. Et le gamin était content avec son téléphone. Il a envoyé un message à mon frère et à ma mère. Du coup, moi, j'ai craqué sur un Xiaomi. C'est ça, hein, en version holographique. Mais voilà qu'il n'était pas dispo. En fait, apparemment, il ne serait pas dispo en Belgique. Mais je l'ai trouvé sur un site belge. Alors, je ne comprends pas. Chéri, il est complètement taré, ce mec. Il voulait bien me l'acheter à 549 euros. Sauf que, bon, il n'était pas dispo dans la couleur que je voulais. Il était juste en noir. Mais moi, les téléphones noirs, c'est hors de question. Le soir, quand on est rentré, j'ai regardé sur Internet. Je l'ai trouvé à 419 à la place de 549. Là, il ne voulait plus m'acheter. Après, j'en ai trouvé un autre encore mieux, pour vachement moins cher, pour moitié prix, 219, je crois, ou 229. Il m'a dit, on verra plus tard. Donc, voilà. Ce que je lui ai dit, ça serait mon cadeau d'anniversaire. Après, c'est sûr, c'est de la surconsommation, parce que j'en ai absolument pas besoin. J'ai l'iPhone 11, mais je regrette tellement l'iPhone. Alors, les pros iPhone vont me le détester, mais plus jamais, quoi. Voilà. Je l'ai voulu, hein. Je l'ai voulu, hein. J'assume, hein, mais... Donc, est-ce qu'il m'a dit non hier soir pour me l'acheter en surprise pour mon anniversaire? Je ne sais pas. Avec lui, c'est possiblement possible. On verra bien. De toute façon, bon, s'il ne m'achète pas, il ne m'achète pas. Hein. Ce n'est pas non plus une nécessité. On est d'accord. C'est juste que, ben, du coup, sur iPhone, j'enregistre le son avec mon téléphone, hein, comme vous le savez. Mais je dois payer le programme d'enregistrement. Et pareil pour mes miniatures. Les miniatures que je fais, ben, j'aimerais bien m'acheter le programme d'ailleurs pour avoir plus de fonctionnalités. Mais je dois tout payer en fait, quoi. Sur iPhone, c'est vraiment ça la merde. Autant je me passerai plus de mon Mac que iPhone ne plus jamais, quoi. Voilà, bref. Après, je suis une pro Samsung. Ça a toujours été. Mais là, c'est vrai que le gars, il m'a bien vendu les Xiaomi. On a rigolé avec le mec. Alors. Je vous raconte, mais je vais en entendre parler pendant 10 ans de cette histoire, parce que ça nous est arrivé il y a... Enzo était petit, il était pré-ado. Il devait avoir 14 ans. Donc, ça date, hein, ça fait au moins 8 ans. 8 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans. Une fois, une caissière, donc je suppose qu'elle draguait un peu mon cher et tendre mari, qui dit, ah, qui me dit à moi... Non, qui dit à Enzo et à mon mari, ah, vous promenez votre maman. Pétasse. Et hier, le vendeur a cru que j'étais sa mère. Parce qu'il lui a dit, mais on dirait que vous avez 18-19 ans. Alors, je vais en entendre parler, mais pendant 10 ans. Voilà, clairement. Je crois qu'il est temps que je divorce pour qu'il me foute la paix, parce que je vais en entendre parler pendant 10 ans. C'est le premier truc qu'il a dit à Sam quand on est rentré, hein, que j'étais sa mère. Merci chérie, merci vendeur. Donc après, on a rigolé avec le vendeur, mais je n'en... On se serait pissé dessus, quoi. On n'en pouvait plus. Mais je lui ai dit, je fais si vieille que ça ou quoi? Il me dit, non, mais lui, il fait tellement jeune. Il dit, moi, je vais avoir 44 ans, là, dans 6 semaines. Et j'aimerais bien avoir cette tête-là, quoi. J'ai dit, ouais, moi, je vais en avoir 42, alors merci, quoi. Et puis après, il faisait des erreurs sur le PC. Puis après, c'est moi la vieille, quoi. Et que des trucs comme ça. Ah, bref, on a bien rigolé. Et Sam a son téléphone, il est content. Donc, on est passé chez Action pour des pics à brochettes pour pouvoir continuer mes bricolages et des tubes de colle, colle à chaud. Et il n'y avait plus de pics à brochettes et il n'y avait plus de colle à chaud. Voilà, donc j'y allais pour deux choses et je suis revenue sans. Enfin, on a trouvé des pics à brochettes après chez Okora, mais j'ai toujours pas mes tubes de colle. Bon, après, ça va, j'en ai encore un stock. Hein. Mais bon, vous connaissez mon obsession de tomber à court de tout, hein, mamie backup.
Donc voilà pour ça. Là, j'attends toujours de voir si mes commandes vont se décider à arriver, mais rien ne bouge. Ça commence légèrement à m'inquiéter parce que Beauty Bay, AliExpress, à la limite, je comprends. Mais Glisten et Beauty Bay, ça commence à m'inquiéter. Il est en transit, le Beauty Bay, il est en transit depuis le 30. Donc on est quand même le 4. Et normalement, quand il est en transit, je l'ai 2 jours après. Donc d'accord, il y a eu le premier qui était un férié. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Glisten, j'ai pas de suivi. Donc c'est encore plus chiant. Et le AliExpress, il est arrivé à Liège. Donc celui-là, je devrais l'avoir incessamment sous peu. Si jamais je l'ai aujourd'hui, parce que j'ai tourné un make-up avant de filmer le haul. Donc si jamais je l'ai aujourd'hui, je l'incorporerai dans le haul action, je pense. Puisque tout est regroupé, donc je vais avoir tout d'un coup. Et bon, après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vraiment pas, j'avais commandé 5 articles, 5-6. Et encore, il n'y a rien en beauté, quoi. C'est vraiment des trucs que j'avais besoin. Une nouvelle cabane pour les chichous. La même que la fraise, mais j'ai pris en version girafe, puisque c'est les deux seules versions qui étaient dispo. Bref, donc là, ce que je vais faire mon teint en regardant... Moi, je crois que je vais regarder des vidéos YouTube, parce que j'en ai une en retard de YouCream. Deux en retard de YouCream. J'ai une enquête impossible... 3 de YouCream, 4 ? Non, ça c'est les plus vieilles, je pense. Donc je vais regarder les YouCream Sisters. Et après, j'irai peut-être sur Netflix. Mais bon, je pense que je serai prête avec les deux vidéos là. Sur Netflix, du coup, j'ai terminé Curse hier. Je suis montée à 3h30 au matin. Hein. Donc j'ai un peu une tête de guenuche, mais voilà, je suis montée très tard. Et là, je pense que je vais regarder Shadow. C'est ça, attendez. Hein. Les détails. Shadow Bone, la saga Grisha. Il y a plus d'épisodes, donc ça va assez vite. Et c'est un peu dans le même style. En plus, dans les extraits, il y a un cerf blanc. Quoi. Il y a un bon bit tout blanc, trop beau, magnifique. Les forces obscures conspirent contre. Cartographe contre la cartographe orpheline Alina Starkov, mais son pouvoir extraordinaire pourrait changer le destin de son monde en guerre. C'est pas des gens que je connais et ils disent pas l'origine. Une nouvelle saison arrive bientôt. Ouais. Je pense que je vais regarder ça. Il y a les chroniques de Shannara aussi. J'en ai plein là en liste. J'ai une trop grande liste. Sans compter tous les trucs que je veux revoir. Hein, attention. Il y a l'éternelle sorcière aussi qui avait l'air pas mal. Mais je pense que je vais d'abord regarder l'autre. Red Notice qu'il faut que je regarde. Mais ça, c'est un film. C'est juste parce que c'est avec The Rock. Hein. The A-List là. A-List. Je sais plus c'est quoi. Mais bon, j'ai plein. Ah, The Crank. Avec Jason Statham. Ça, il faut que je regarde. J'adore ce film. Très spécial, mais j'adore. Il y a Extinction que j'ai mis. The Protector. Mais celui-là, je ne sais pas trop si... Priest. Ça, c'est un film que j'adore aussi. Il y a plein de documentaires de meurtre, hein, bien évidemment. J'ai plein de trucs. Carrie, la nouvelle version. Je l'aime bien aussi, celui-là. Mais ça, c'est tout des films que j'ai déjà vus, hein. Le pire, c'est que j'ai plein de séries que j'ai pas encore vues, mais je regarde du monde. Je regarde dès que j'ai déjà vu. Je suis un peu genre pas normal. Hein. Ouais. Mais je vais regarder l'autre. La 9e porte. Oh, j'adore ce film aussi. Ace Ventura. Grease. Et j'aimerais bien aussi. Curse, je vais l'enlever de ma liste puisque j'ai fini. Et là, il ne marque pas par contre qu'il y a une saison 2 qui arrive. Il y a Cheers aussi qui a une nouvelle saison à partir du 12. Donc là, c'est un reportage sur les cheerleaders. J'adore ce reportage-là. Donc voilà, oui, bref, on parle de Netflix. Ça vous intéresse peut-être pas forcément, mais comme ça, vous savez ce que je regarde. La saga Winx, il y a aussi une nouvelle saison qui va sortir. Et Warrior Nun aussi, j'ai vu en regardant. Du coup, à la fin, ils ont mis de l'acidité. Ils ont mis qu'il y allait avoir des nouvelles saisons bientôt.
Donc voilà, écoutez. Je vous réserve une surprise aussi pour mon anniversaire. Ça sera pas grand-chose, mais je vous ferai un petit concours. Vous verrez ça le 11 février, le jour même de mon anniversaire. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit quelque chose pour mon anniversaire et pas devoir attendre l'été pour faire un petit concours. Voilà, voilà. Ah, sinon, je vous ai pas dit hier, chose que j'aurais dû faire dans le premier jour du vlog, mais... alors, je prends jamais de bonnes résolutions, hein, jamais, puisque je les tiens pas. Mais là, quand même, il faut que je m'y tienne. Ce qui n'est pas, ce qui ne va pas être flagrant avec tous les hauls que vous avez eu cette semaine. Mais voilà, il faut vraiment que je dépense moins cette année, parce que cette année, il faut que je refasse au moins mes dents du bas. Je vais faire par étapes, hein. Je pense qu'au lieu de refaire toutes les dents d'un coup, je vais faire d'abord le bas, ensuite le haut, mais le plus urgent, c'est le bas. Depuis que j'ai été malade, là, que j'ai vomi plusieurs fois, j'ai les dents, mais elles me font mal. Et je pense que comme j'ai beaucoup d'acidité, ça les fragilise déjà beaucoup, et que ben, ça a rajouté de l'acidité en plus, mais j'ai les gencives, on a l'impression qu'elles sont cramées, quoi. Ça, je pense que c'est en vomissant. Et du coup, avec ce problème de tarte là qui ne s'arrange absolument pas, au contraire, ça s'aggrave. J'ai l'impression que ça, il revient de plus en plus vite. Donc voilà, cette année, je refais mes dents du bas, au moins. Donc je vais économiser au maximum. Après, je ne dis pas que je n'ai pu acheter du tout, hein, parce que forcément, bah, déjà, si Beauty Bay ressort une palette, c'est clair que je vais l'acheter. Be Perfect aussi, je pense. Donc. Mais je vais essayer quand même de limiter au maximum. On va faire plus d'une palette à make-up avec le tirage au sort, hein, pour utiliser un peu toutes les anciennes palettes que j'utilise plus depuis un moment. Et voilà, plus d'une palette 3 looks aussi. Hein. Vous m'avez fait une petite liste là, surtout Mimi. Mais voilà, dites-moi en commentaire s'il y a une palette 3 looks qui vous intéresse. Comme ça, je fais celle qui vous intéresse le plus. Mais je vous ferai des sondages sur Instagram au fur et à mesure pour savoir par lesquels on commence. Et voilà, là, la prochaine, de toute façon, c'est la Envie de XX Révolution, puisque c'est une que j'ai eue dans le swap que je n'ai pas encore utilisée. Vous l'aurez lundi 17, normalement, si ça ne change pas d'ici là. Hein. Et je pense qu'on se fera au moins une fois par mois une palette 3 looks. Après, c'est plus loin tourné, donc ça se tourne sur 3 jours, hein, c'est un peu plus chiant. Mais au moins, ça vous donne plus d'idées de make-up avec certaines palettes. Et moi, je les utilise un peu plus aussi. Donc, ça me permet de me fixer aussi, savoir si je les aime ou pas. Hein. Voilà. Donc, là, je vous mettrai un sondage. Quand j'aurai tourné la XX, je vous ferai un sondage pour la prochaine. Voilà, bon, ça fait déjà 15 minutes que je blablate. Là, je vais me préparer pour aller filmer le swatch et le make-up de la Mimosa de BH Cosmétiques que vous aurez lundi, donc demain pour vous, et le haul action que vous avez déjà eu. Et si jamais je reçois mes commandes beauté, je tournerai les hauls beauté en même temps, que je vous mettrai jeudi ou samedi, puisque le mercredi et le vendredi, c'est des vidéos fixes. Donc, on verra bien. Bon, sur ce, je pense qu'on peut déjà switcher deux jours. Hein. Ça fait déjà 15 minutes que je blablate dans le vent. J'avais rien d'autre à vous dire. Je vous ai donné mes bonnes résolutions. Donc, sachez que voilà, quand vous laissez défiler les pubs, ça me fait gagner plus d'argent de monétisation. Et que c'est des sous que je mettrai de côté pour mes dents. Donc, avant la fin de l'année, il faut que j'aille refaire mes dents du bas. Là, ça urge, j'ai envie de dire. Voilà, bref. Bon, pareil quand vous utilisez mon code Promonox que je vous affiche ici, ou les liens affiliés, tout ça, ça me fait gagner des petits sous. Alors les liens affiliés, ça met un temps fou à être rémunéré, enfin à être payé réellement, mais c'est toujours de l'argent qui dort sur un compte et que je finirai par avoir, que je pourrais mettre de côté. Donc là, ça monte bien, hein, sur Rawin. Parce que vous commandez beaucoup. Je suis une très bonne influenceuse, paraît-il, n'est-ce pas, Mimi, qui m'accuse toujours. Non, c'est Babette, ma Mimi aussi. Mais Mamie Cachou m'accuse de tout. Donc je lui ai dit, pour finir, je vais te réclamer 5 euros par achat que tu m'accuses. Voilà. Et vous avez vu que Sanana, elle ferme son site, là. J'ai regardé sa vidéo, j'ai même pas réussi à avoir de la peine. Elle m'a énervée. C'est trop de boulot, trop de boulot. Bah forcément, t'ouvres ta marque, enfin, tu crées ta marque, c'est du boulot, quoi. Je veux dire,
ça tombe pas tout cuit dans le bec. Je veux dire, tu t'y attendais avant de commencer, tu croyais quoi? Que ça allait se faire tout seul. Voilà. Je la trouve de moins en moins sincère. Après, elle dit que c'est pas pour l'argent, qu'elle veut pas revendre et tout ça, parce que c'est pas pour l'argent. Ben, on n'a pas les mêmes valeurs, hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire. Moi, ça me ferait suer grave d'avoir investi autant d'argent et de temps dans un truc. J'aurais préféré revendre la marque plutôt que de perdre de l'argent, quoi. Je comprends pas. Mais bon, on n'a pas tous les mêmes valeurs, hein. Il y en a qui n'ont pas besoin de sous, il y en a qui mangent des pâtes à la fin du mois, et il y en a qui n'ont pas besoin de sous. Voilà. Il y a deux mondes. Chacun son monde, hein, comme on dit. Bref, je ne vais pas commencer à parler des ananas, puisque. En attendant, la vidéo que j'ai faite sur la palette Autrera, il y en a plein qui m'ont limite insulté parce que je critiquais les ananas, alors que c'était pas le cas, vu que je trouvais juste la qualité merdique, et en attendant, elle ferme. Hein, moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, bref. Donc, sur ce, moi, je vais me préparer pour les filmer, parce qu'à force de blablater avec vous, je peux rester là encore pendant 2 heures, vous raconter ma vie, hein. Mais à force de blablater avec vous, bah, je vais pas avancer dans mes vidéos, hein. Donc, là, j'en ai quand même au minimum 2 à tourner. Et puis, j'aimerais bien finir le bricolage pour le petit, et attaquer ceux de ma mère et de mon beau-père. Comme ça, après, je peux faire celui de Manon. Après, Manon, j'ai un peu plus de temps, vu qu'ils viennent que pour mon anniversaire. Elles viennent le 12. Je crois que c'est ça, attendez. Ouais, le 12 pour mon anniversaire. Voilà, bref, bon. Allez, sur ce, on suit de jour. Sauf s'il se passe quelque chose, je vous reprends tout à l'heure. Alors, il est 10h37 et je suis totalement explosée car j'ai encore eu une superbe insomnie. Hier, je suis montée me coucher, il était 4h30 au matin et j'ai pas réussi à dormir tout de suite. Je suis totalement explosée. Donc aujourd'hui, je filme pas. J'ai du montage à faire parce que j'ai pris du retard. Je suis toujours occupée avec mes DIY, là. Je n'arrête pas. Là, j'en ai fait un pour Hugo, donc le fils de ma belle-sœur. C'est son anniversaire, on y va dimanche. C'était le 31, mais elle le fait dimanche. Et j'en ai fait un pour ma mère, puisqu'on y va samedi pour l'anniversaire de Sam. J'ai refait ma colo hier, parce que en faisant du montage, je me suis rendu compte qu'à force de faire les couleurs, j'avais pas fait mes racines. Donc, hein, j'avais des bandes blanches quand j'ai attaché mes cheveux. Donc, j'ai refait mes racines et du coup, j'ai réintensifié le violet avec un de chez Révolution. Alors, attendez, je vais vous mettre l'anneau lumineux. Voilà, vous verrez peut-être un peu mieux. Et franchement, c'est pas mal. Hein, je commence à bien aimer avec le mauve. J'aimerais quand même bien voir ce que ça donne en bleu. Mais là, je me suis dit, vu que j'allais racheter un mauve, je vais d'abord faire le mauve. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis assez contente du résultat. Bon, attendez, j'éteins l'anneau parce que... Oh, voilà, quoi que ça fait peut-être un peu... Je vais le mettre au minimum. Voilà, on est pas mal là. Je vais vous montrer aussi, j'ai installé ma lanterne, donc je l'ai mis juste ici. J'ai installé les trucs pour les chichous, mais là, ils viennent de se coucher. Donc, je vous montrerai demain, je pense, parce que je me suis levée très tard, comparé à d'habitude. Je me suis levée il y a une demi-heure. Hein. J'attends le facteur. J'ai ma commande Beauty Bay qui arrive enfin. J'ai AliExpress qui arrive aussi aujourd'hui. Donc AliExpress, je pense que... Bah, quoique, je vais tourner le haul demain. Donc je vous le mettrai dans le haul aussi. Il n'y a pas grand-chose. Mais... Oh ! Et il me manque Blisten, toujours. J'ai pas de nouvelles puisque j'ai pas le suivi. Donc j'espère l'avoir aujourd'hui aussi. Et hier, chérie m'a fait mon cadeau d'anniversaire à l'avance. Je vous dis après. Je vous montre d'abord les DIY que j'ai fait. Donc ça, j'ai fait celui pour le petit, vu qu'il est fan de Mickey. Donc avec un H au milieu. Voilà, donc j'ai dû imprimer les Mickey, hein, parce que j'avais rien pour les faire moi-même. Je les ai pas plastifiés, je les ai coloriés parce que j'ai plus d'encre colorée dans mon truc. Et je trouve ça très joli. J'espère que ça plaira au moins à ma belle-sœur. Le petit s'en fout certainement un petit peu, mais pour mettre dans sa chambre qui est totalement Mickey, il sera content. Et pour ma mère, j'ai fait une étoile avec des fleurs en doré. Voilà. Je suis assez contente. Je m'éclate à faire ces trucs-là. Franchement, je m'éclate. Et là, je vais faire... je viens de voir qu'il y a une étoile qui est tombée. Je vais me faire une couronne pour mettre dans mon fond vidéo. Bon, bien sûr, en argenté pour aller avec le Bambi. Le Bambi, je changerai les décos. Là, j'ai mis des flocons, mais je les ai collés au patafix pour pouvoir les changer, justement. Bah, de toute façon, vous avez vu ça dans le hall. Et je changerai au fil des saisons les décos sur les cornes.
Pour le printemps, on mettra des fleurs. En été, on mettra des papillons, si j'en trouve. Sinon, on laissera les fleurs. En automne, j'ai des feuilles d'érable couleur d'automne. Donc, je trouve que c'est sympa de changer comme ça au fil du temps. Et mon frère, j'aimerais bien essayer de faire un lion. Donc, j'ai trouvé des formes géométriques, des modèles. Hein, mais ça va pas être facile. Donc, je pense que je ferai mon frère en dernier. Voilà. Mais là, je vais en faire pour toute ma famille. J'ai racheté le stock de brochettes. Hein, vous avez vu ça dans mon haul action. Donc, je vais en faire pour tout le monde. Voilà. Ça m'éclate. Ça fait comme des puzzles. Hein, sauf que il faut s'amuser à tout préparer, trouver les idées pour les décos et tout ça. J'adore. Mon chien fait sa Gisèle à la fenêtre. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Faut que je vous montre la lanterne. Alors oui, chérie a commandé mon cadeau d'anniversaire hier. Je l'ai vendredi. Donc j'espère que je l'aurai assez tôt. Comme ça, on pourra le déballer ensemble. Il m'a commandé le Xiaomi 11T Pro en Celestial Blue. Donc je voulais le 11T parce que j'avais craqué vraiment pour la face arrière hein, quand je l'ai vu. Avec 128 gigas. Et là, le 11T Pro, il est à 256 gigas. 148 millions de pixels pour l'appareil photo de l'arrière, n'est-ce pas? Pour le frontal aussi, j'y gagne par rapport à l'iPhone. Donc l'iPhone, je ne sais pas si je vais le revendre ou si chérie va le récupérer, parce qu'il récupère souvent quand je switch de téléphone, puisque je switch très souvent. Et du coup... je vous disais, c'est hier je crois, qu'il ne voulait plus que je le commande. On l'avait vu à le 11T, on l'avait vu à 549€ en promo. 549€, celui-là il est quand même à 700 balles. Sauf qu'avec l'abonnement, puisque j'ai dû faire changer de fournisseur, on est passé sur celui qu'on venait de prendre la télé et tout ça. Donc avec le cumul de tout, mon abonnement me revient moins cher. Bon, j'ai juste un tout petit peu moins de gigas d'internet, mais j'utilise pas trop la 4G, puisque je suis tout le temps à la maison en Wi-Fi. Donc là, par exemple, il me reste 6 jours, j'en ai même pas consommé du tout sur mes 10 gigas que j'avais. Mais là, je vais en avoir 7, je crois. Enfin, 7, dont les trucs sociaux, enfin les réseaux sociaux en illimité. Donc Instagram, Facebook, Messenger et tout ça en illimité, c'est ce que j'utilise. Donc je m'en fous. Et donc je vais payer l'abonnement moins cher. À la place de 32€, on passe à 29€ par mois. Donc on gagne 3€ par mois. Et le téléphone est revenu à 149€, les gens. À la place de 700. What the fuck? Je suis trop contente. Ça fait 7 ans maintenant que j'étais chez Orange. 6 ans, je crois, que j'étais chez Orange. Et impossible de me faire changer. Là, j'étais prête à aller chez Base parce que franchement, les prix étaient super avantageux. Donc, c'est des fournisseurs belges. Hein, mais, et là, du coup, je suis passée chez Proximus, là où on a mis la télé et où Chéri est aussi. Et je vais avoir le téléphone que je voulais. Par contre, chez Base, c'est quand même un sacré menteur. Il nous a bien fait rire. On a passé un super bon moment avec lui. Mais quand j'ai vu le téléphone, c'est un espèce de holographe, comme ça, hein, holographique. Il m'a dit non, nous, ils nous l'ont juste envoyé en modèle d'expo, mais il n'est pas commercialisé en Belgique. Donc je me suis dit, j'allais voir chez Auchan, en France. S'il n'est pas commercialisé en Belgique, il est peut-être en France. Et on l'a trouvé chez Proximus et. Je l'avais trouvé chez Krefel Belgique aussi, donc il est bien commercialisé en Belgique. Quoi. À mon avis, il voulait absolument que je prenne le noir, mais moi, les téléphones noirs, c'est hors de question. Je ne supporte pas les téléphones noirs. Voilà, mon iPhone, c'est un blanc. Bon, après, j'ai toutes les coques que je vais devoir revendre. Hein. Je vais les revendre sur Vinted. Chérie mettra la grougou, je suppose, puisque c'est la seule que j'ai qui ne fait pas trop féminine, où c'est pas marqué Queen. Ou alors, j'ai celle avec le Bambi de Noël, qui est dégueulasse d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'il mettra la gros goût. Hein. Celle sur les paillettes. Hein. Et voilà. Donc, j'ai hâte de le recevoir. Là, aujourd'hui, je vais faire du montage à gogo. Parce que je dois monter toutes mes journées de vlog. Donc, les 3 journées de vlog. Normalement, je les monte au fur et à mesure. Mais là, j'ai pris tellement de retard. J'ai la vidéo de lundi. Je vais vous donner le planning. Tu attends qu'on y est. Ouais, j'ai la vidéo de lundi à monter. Il faut que je tourne le haul, mais je ferai ça demain. Comme ça, je tourne un des make-up pour la palette XX Envie
qui est encore pour le lundi d'après. C'est tout un bordel. Mercredi, on n'est pas là de toute la matinée. Donc là, je pourrais pas filmer. Bon, après, je suis, ça va, j'ai une semaine d'avance toujours hein, en vidéo. Là, pour la semaine prochaine, il me manque que la celle du 14, qui est le crash test des nouveautés. Mais il faut que j'attende ma commande. Il faut que j'attende de vous tourner le haut là, avant d'entamer les trucs. Le vlog qui se fera au fur et à mesure. Donc là, je vais attaquer maintenant la semaine d'après. Donc, la semaine prochaine, vous avez lundi le swatch and make-up de la Mimosa de BH Cosmétiques. Mercredi, un full face Beauty Bay. Le 14 vendredi, le crash test des nouveautés. Et le vlog dimanche. Et on fera peut-être un live le 15. Là, ce samedi-ci, pour moi, c'est pas possible puisqu'on n'est pas là ni samedi ni dimanche. Donc, on fera peut-être ça samedi prochain. Samedi qui vient pour vous. Je vous tiendrai informé de façon dans l'onglet communauté et sur Insta. Voilà. Mais comme ça, vous avez déjà le planning. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais faire mon montage en attendant le facteur. Je vais faire ma petite couronne en regardant je sais pas quoi comme vidéo. Là, j'étais sur les crimes de nouveau depuis hier soir. Ouais. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il faut que je vous montre la lanterne. Je vous montrerai ça demain quand je vous montre les trucs des chichous que j'ai installés. Mais là, ils dorment bien. Donc, je vais les laisser dormir. Parce que sinon, après, ils s'en foutent le bordel. Et voilà. Bah, écoutez, ouais, le programme de la journée, c'est glandage, montage, siestage. Très certainement. Parce que vu que j'ai dormi. J'ai dormi quoi là? Ouais, j'ai dormi 6 heures. Ouais, 5 heures. Ouais, 5 heures. Et bon, une fois que je vais manger à midi, je vais être complètement fracassée. Donc, moi, je vais faire tout ça. Je vous mettrai le haul AliExpress dans la partie haul que je vais filmer, puisque du coup, je vais le recevoir. Donc, voilà. Et c'est tout. Mon chien essaie d'aller voler la pâte et du chat. Je vais ranger les trucs pour pas qu'ils prennent la poussière aussi. Et voilà. Ok, donc écoutez, bah, ensuite je joue. Alors, il est 10h30, je vous prends encore une fois très tard. Toujours avec ma tête défraîchie parce que j'ai encore pas dormi. Je me suis endormie, devait être 5h au matin et je me suis réveillée à 9h. Donc en ce moment, je sais pas, j'arrive pas à dormir, c'est un truc de fou. Même à la sieste, c'est compliqué, j'ai du mal à m'endormir et je fais pas des grosses siestes. Donc je suis épuisée. Toujours pas mon colis Glisten. Merci. Hier, il y a la vidéo où je me maquille avec vos favoris qui est sortie. Je vais mettre une page blanche. Et on m'a demandé en commentaire de faire un tuto sur la coiffure que je portais. Alors, c'est juste des petits élastiques hein, que je place dans mes cheveux. Donc, je vous montrerai ça demain. Aujourd'hui, je vais pas filmer. Je pensais filmer mon haul aujourd'hui. Je pensais avoir Glisten, mais c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je vais pas filmer non plus. Je prends du retard, mais je suis trop fatiguée. Là, c'est beaucoup trop. De toute façon, celle de vendredi, je suis obligée d'attendre ma commande Glisten pour faire le crash test des nouveautés. Le haul, je le tournerai demain, quoi qu'il arrive. Comme ça, vous l'aurez samedi. Et si j'ai pas Glisten, je mettrai juste une petite mention avec la photo de la palette d'highlighter. On fera les swatchs en vlog quand je l'aurai reçu. Et après, il faut que j'attaque la semaine d'après parce que j'ai quand même une palette 3 looks à tourner et les liners d'hiver. Donc, ça me fait 8 make-up là pour la semaine. Plus celle du vendredi. Plus un réel pour le dimanche. Puisque Aurore, tout simplement, m'a demandé si je voulais participer. C'est... utilise ta palette ou un truc comme ça et voilà, elle fait un groupe et chaque personne du groupe fait un make-up en mentionnant les autres hein, bien évidemment, mais avec la palette sélectionnée. Et là pour le 23 c'est la Escape de Bindi, donc je serais contente de la réutiliser, et le 30 c'est la Sceptre, donc elle m'a inscrite dans les deux. Et voilà, pour fin du mois je vous ai prévu aussi le crash test des lentilles, mais j'ai toujours pas de nouvelles du colis des lentilles, c'est très long à venir. Il m'a envoyé quand le mail pour me dire qu'il me préparait le colis.
le 24 du 12. Donc, j'attends. C'est très long. Donc, on verra bien. De toute façon, au pire, je mettrai une autre vidéo. Et voilà, mercredi, en plus, le matin, je ne suis pas là. Et ma commande Shein arrive entre le 12 et le 15. Mais le 12, je ne suis pas là. Donc, j'espère qu'elle arrivera plutôt le 13 hein, ou avant. Et c'est tout. Donc, on est dans la semaine des DIY à gogo. Hein, donc, hier, j'ai fait, puisque je vais recevoir... Alors, normalement, je dois recevoir mon téléphone demain. Il est toujours en cours de préparation. Je comprends pas. Et du coup, j'ai trouvé une coque sur Amazon que je reçois demain aussi. Une basique, hein, une transparente pour pas cacher la face du arrière du téléphone, puisque c'était sur ça que j'avais craqué de base. Mais je voulais une coque avec une dragonne, vous savez, que vous glissez votre, carrément votre main, pas juste un plug. Et du coup, comme je n'en trouvais pas, je m'en suis fabriqué un avec un élastique à cheveux et un de mes bracelets. Voilà. Donc, j'ai pris un des élastiques à cheveux essence là, qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. J'ai mis mon bracelet avec les étoiles. J'ai ajouté une petite couronne et en dessous, une petite étoile qui pendra. Donc là, je l'ai fait en version dragon pour glisser dans le... dans les trous prévus à cet effet. Et ici au-dessus, j'ai mis un petit anneau que je vais essayer de perforer un peu la coque pour le glisser dedans. Et comme ça... Alors, attendez, vous allez m'entendre différemment. Hein, mais ça fera un genre comme ça sur le téléphone pour le tenir. Donc, oui, j'ai remis la coque bébé Gougou parce que chérie va récupérer le téléphone. Et je lui ai mis un magnifique fond d'écran. Moi. Voilà. Donc, il récupère pas le téléphone une fois que j'aurai fini de switcher entre les deux. Et hier, vu que j'ai pas dormi de la nuit, hein, clairement, j'ai terminé mon DIY avec ma couronne. Donc, je l'ai fait un peu plus grand puisque c'est des nouvelles baguettes qui n'ont pas la même taille. Voilà. Donc, il y a de loin, ça passe, hein, mais de près, il y a beaucoup de défauts. Mais j'ai voulu tester, donc j'ai mis des paillettes dans les fonds des formes et j'ai remis la colle par-dessus. Donc c'est pas hyper lisse, mais ça fait un peu effet vitrail comme ça, j'aime bien. Bien sûr, je l'ai fait en verre. Hein. Donc là, je vais essayer de trouver les clous de monsieur et le marteau de monsieur pour aller l'accrocher dans mon fond en haut. Je suis en train de faire celui de Manon, donc je pense que c'est ce que je vais faire maintenant en regardant... Je vais certainement me foutre sur Netflix. Journée glandage aujourd'hui, je pense. En plus, Enzo va arriver avec sa copine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Georges, 15 ans. Voilà. Donc, s'il se réveille pas tôt, bah, de toute façon, il va se réveiller quand son frère va rentrer. J'essaierai de vous le prendre un petit peu pour qu'il vous fasse un petit coucou, qu'il vous montre son téléphone aussi. Je crois que c'est tout. Il faut encore que je vous montre la lanterne. Les chichous, vous les verrez pas cette semaine parce que vu à l'heure où je me lève, ben, eux, ils dorment quand je me lève. Je vais vous montrer la lanterne qui est juste là. Bon, vous l'avez vu dans le hall, mais j'aime beaucoup. Il faut que j'emballe les cadeaux d'anniversaire du petit puisque dimanche, on va à l'anniversaire du petit de ma belle-sœur. Et voilà. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Chérie devait me racheter de la colle parce que du coup, il ne me reste plus que 3 bâtons. Mais alors, c'est des bâtons de merde qui venaient de chez Action. Ils ont jauni et... pourtant, ils ne sont pas bien mieux, hein, parce que j'en utilise beaucoup de la colle. Ils ont jauni et la colle, elle fond toute seule, en fait. Donc, elle coule du pistolet. Contrairement à l'autre que j'avais acheté, c'était une transparente. Donc là, je vais achever celui de Manon et puis je verrai bien où j'en suis dans les colles. Sinon, je vais attendre que chérie aille m'en chercher après le travail. Je sais pas s'il va y aller aujourd'hui. Je lui ai dit hier, donc possiblement, c'est possible. J'arrête avec mon possiblement possible. C'est une unité de ce que je dis. Bon, après, comme les 3/4 des mots que j'utilise. Et voilà, sinon, j'ai pas grand chose à vous montrer ou à vous dire. Ouais, demain, on fera la coiffure. Parce que demain, il faut que je filme le hall absolument pour vous le mettre samedi. Mais j'aimerais bien recevoir ma commande glissonne. C'est hyper long, je comprends pas. C'est la première fois que c'est aussi long. Normalement, c'est marqué entre 10 et 20 jours ouvrables. Hein, mais normalement, je l'ai en une semaine, la commande glissonne. Hein, et c'est pas la première que je fais. Donc,
Et là, j'ai commandé le 20 du 12. Donc, ça date hein, maintenant. Hein. Une semaine le 27, ça fait 2 semaines et demie. Ça n'a jamais été aussi long. Donc là, j'espère que ça va arriver demain. Je ne sais plus si c'est un livreur à part ou si c'est la poste qui m'amène, parce que le facteur est déjà passé. Donc, par la poste, je ne l'aurai pas aujourd'hui. Si c'est un livreur, je peux encore l'avoir aujourd'hui. Mais on verra bien. On verra bien. De toute façon, au pire, je vous mettrai la photo, le prix. Et je vous dis, on fera les swatchs en vlog la semaine prochaine. Enfin, si je la reçois un jour. Parce que là, c'est hyper long. Je ne comprends pas. Et voilà, mercredi, on a des rendez-vous toute la matinée. Moi, j'ai un rendez-vous médical. Sam doit aller chez l'ORL. Chérie doit aller au tribunal avec l'eau de Virton. Ça va péter des bulles. C'est dommage que moi, j'ai un autre rendez-vous pendant ce temps-là parce que j'aurais bien aimé être là. On ira chercher les chaussures de Georges aussi pour son anniversaire. Donc, j'espère vraiment que le facteur ne va pas m'amener des colis ce jour-là. Parce que, enfin, après, il n'y a plus que Gliston que j'attends, mon téléphone. J'aurai demain, normalement. J'espère. Sinon, je vais être déception hein, si je dois attendre lundi. Surtout que, vu ma patience d'ange, je devais déjà attendre 3 jours. 2 jours. C'est quand qu'il me l'a commandé, mardi? Ouais. 2-3 jours, enfin bref. Voilà. Bon, je vous montre la lanterne et puis après, je vous laisse. Je vais m'étouffler comme une grand-mère. Donc voilà ce qu'elle donne, c'est très joli je trouve. Après j'aimerais bien plutôt faire des décos avec une guirlande lumineuse dedans, mais franchement elle est trop belle. Je pense que je vais en acheter une deuxième pour mettre de l'autre côté, là. Ça sera très beau. Donc voilà, j'adore, je suis trop contente. Attendez, je me remets tout. Ouf, je ne suis pas cadré du tout, hein. Et donc, bah voilà, écoutez, on peut déjà switcher 2 jours. Ça aura été que du blabla cette semaine. Hein. J'ai pas fait grand-chose, hein, mais voilà quoi. Mais en plus, j'ai un week-end chargé. Oh. Samedi, on va chez ma mère. Dimanche, on va chez ma belle-sœur. Je suis motivée, je vous raconte même pas. Manon qui est réveillée. Bon, allez, sur ce, on switch 2 jours et j'essaye de vous reprendre quand Georges sera réveillé, s'il est motivé quand même. Et voilà. Bon anniversaire, Georges! Je lui ai déjà souhaité. Hein. Salut. Bisous, maman. Non. Bisous, maman. Non. Bisous, maman. Non. Montre un peu ton beau cadeau. Oui, il vient de se lever. Hein. Voilà, il a eu un nouveau téléphone. Il est content, c'est le Galaxy A22. A22 5G. Ouais. C'est ça, voilà. Il est tout content. Un vrai téléphone qui fonctionne. Et pas cassé pour l'instant, hein, mais bon, pas cassé, ça risque de changer. Oh, j'ai la coque et l'écran. Oui, on lui a acheté une coque et. Enfin, les coques, on en achète toujours, mais après, il les enlève. En même temps, l'autre a été vraiment chiante, hein. Et puis on lui a acheté des protections d'écran. Moi je m'en suis commandé aussi. Ben, moi ils étaient avec la coque. Avec la coque j'avais les protections d'écran et de caméra. J'ai les protections de caméra aussi. Ouais. Tu l'as mis ou pas? Je l'ai mis comme un trou de balle mais je l'ai mise. Oui, bah comme la coque, enfin comme la protection. Bah, du moment que c'est pas devant l'appareil. Non. Ouais. Il avait juste un petit et peu. Et je vais voir tes bulles là. Oh ça va encore. Il y a une grosse bulle sur la protection. Donc là, il est 11h46. Je vais aller accrocher ma couronne en haut. Monter, j'ai reçu mon haul à AliExpress. Voilà, tout tient dedans, hein, tellement j'ai. C'est à cabane des Sissous en version girafe. Et je vais aller à la sieste parce que voilà, 3 ou 4 nuits de suite à 3 ou 4 heures de sommeil, ça fait peu.
Et je me dis, je vais pas faire de sieste, mais au final, je me lève quand même à l'heure habituelle. Enfin, habituelle, pas à 6 heures comme il y a à l'école, mais ce matin, je me suis levée à 9 heures. Et je ne saurais quand même pas dormir ce soir. Et pourtant, c'est pas la pleine lune. Donc là, je comprends pas trop ce qui se passe. Ouais, bon, un bon anniversaire à Vincent. J'ai envoyé bon anniversaire à Villa. Moi aussi, j'ai envoyé un message ce matin. Et voilà, genre, il va geeker, je suppose. D'ailleurs, tu vas me jeter ton papier qui est à la cuisine et ranger le cacao que tu as utilisé hier parce que j'ai déjà dû mettre ta tasse, moi, au lave-vaisselle. Écoute, la dernière fois, ton assiette, elle traînait, hein. Ouais, bah là, j'en ai une qui traîne. Tu peux la mettre au lave-vaisselle aussi. Tu vois, bim. Il faut enlever les frites qui sont dedans. Arrête d'ouvrir ta bouche. C'est parce que je viens de manger mon micro bout de poulet qui me restait d'hier. Oh non, je sais. C'était un micro bout, hein. Ouais. Et là, Enzo est revenu avec sa copine, mais ils sont repartis chez le meilleur ami d'Enzo. Ils rentrent que ce soir. Donc, chez Enzo. Je vais aller à la sieste. J'ai toujours pas de nouvelles de Bdiston, donc je ne sais pas où ça en est. Ça m'énerve qu'il n'y a pas de suivi. Des fois je l'ai pas. C'est un peu bizarre. Le suivi pour mon colis. Et mon téléphone est toujours en cours de préparation, donc je dois le recevoir demain. Ça va être tendu quand même, hein, s'il ne l'envoie pas au bout d'un moment. Chacun sa merde. Hein. Après, ça se trouve, le statut n'est pas à jour et je l'aurai quand même demain, j'espère. Et j'espère que je l'aurai tôt en faisant le débat ensemble. Ça se trouve, tu ne l'auras jamais. Là, je vais faire une sieste et puis après, j'achèverai la déco pour Manon. Vous devez lui dire que son téléphone, elle peut que l'avoir le 11. Le 11 septembre. Le jour de son anniversaire. Non, c'est un cadeau en avance. Moi, je l'ai en avance. Je déballe en avance. Moi, je l'ai en avance parce que moi, tout le monde m'aime bien. J'étais obligé. Toi, tu l'as eu en avance parce que de nous, là-bas, c'est le cadeau de Noël que tu as eu en retard. Ouais, ah. Bah, c'est ce que j'ai négocié. Et voilà, bah écoutez, sur ce, on suit le jour parce que je vais pas vous prendre avec moi la sieste, hein. Quand même, on va limiter. Je partage beaucoup de choses avec vous, mais peut-être pas tout non plus. Hein. Quand je vais faire pipi ou caca, je ne partage pas non plus. Enfin, je vous le dis, mais... Tu pourrais les prendre en tentant d'ouvrir l'insomnie. Comme ça, tu auras pas de me saouler avec tes vidéos. Bah, je serai en train de parler. C'est pas mieux que de les écouter. Bah, c'est mieux que t'entendre ton vieux truc, là. Surtout quand c'est Émile la dinde. Fou. Il t'en veut, hein, ma Mimi. Je lui ai bien précisé le message de ce matin, bon anniversaire, petit con. J'ai bien précisé. D'ailleurs, Enzo, il est rentré, il lui a dit bon anniversaire, petit con. Ça m'a fait rire. Après, oui, j'ai eu un bon anniversaire, minuit. Il m'a déjà appelé, mais je ne répondais pas. Oui, mais j'ai quand même été la première à te le dire. Bah, techniquement, non, c'est Enzo. Non, techniquement, c'est moi, j'étais à côté de toi. Oui, mais si tu joues sur ce... Non, c'est moi. C'est de la triche, tu te tais. Priorité à ta môme. Priorité à mon frère. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. On suit du jour. Et c'est déjà le dernier jour de vlog demain. Pouh, ça passe vite. À plus. Voilà, comme il dit. Alors, vous ne voyez qu'une meilleure tête. Hein. Il est 9h49. J'ai dormi 2h30 cette nuit. Ça vous parle? Voilà. Donc, je suis complètement explosée. Je vais essayer de ne pas faire de sieste aujourd'hui. Enfin, de toute façon, je ne pourrais pas en faire ni demain ni après-demain puisqu'on n'est pas là du week-end. Mais du coup, j'ai fait 3 bricolages. Voilà, ça a vraiment été la semaine très productive en DIY. Hein. J'ai fini celui de Manon. Voilà, donc avec un M. Voilà, dans les teintes dorées et roses, hein, puisque c'est ce qu'elle préfère. Voilà, il est très beau. J'en ai fait un petit, du coup, pour la copine d'Enzo, qui s'appelle Charline, donc avec un C. J'ai fait un format différent, avec des strass rouges, parce qu'elle, c'est le rouge, sa couleur préférée. Voilà, je trouve ça très joli aussi. J'aurais peut-être dû remplir le C pour qu'on le voit un peu plus. Mais bon, maintenant il est fait, donc voilà, j'espère que ça lui plaira. J'attends qu'il se lève. Et j'en ai fait un pour ma belle-sœur puisqu'on y va dimanche avec un V, puisqu'elle s'appelle Virginie, pour ce format-là, avec du bleu, parce qu'elle adore le bleu. Et un petit parapluie en dessous, voilà. Je récupère toutes les décos que j'ai à droite à gauche. Mais je vais finir par tourner à court. Donc, oh merde, je viens d'arracher une étoile. Donc, voilà. Je suis en train de tomber à court de bombes aussi pour les bomber. Par contre, chérie m'a trouvé de la colle. Il m'a acheté 1 kg de tubes de colle. Voilà, j'ai de quoi faire.
Donc là, comme demain, on va chez ma mère parce qu'on doit aller chez Carglass. Chez Carglass, comment je dis ça? Je vais négocier avec Chérie pour passer chez Action près de chez ma mère, puisqu'il y en a à quelques mètres en bas de chez elle, pour aller racheter des bombes et des décos, des strass et compagnie. Voilà, ce make-up, vous l'aurez bientôt. C'est le premier make-up avec une palette 3 looks avec la XX Envie que vous aurez le 17, je crois. Ouais, c'est ça. Je vous ai déjà donné le planning, hein. Oui, je crois. Donc, je viens de recevoir mon cadeau d'anniversaire en avance de la part de mon chéri. Donc, on va déballer ensemble. Synchronisation parfaite. Je me suis dit, allez, t'es fatigué, on s'en fout. Tu filmes ton make-up et ton haul. J'ai tourné le haul aussi, que vous avez eu hier pour vous. Avant que le facteur arrive. Comme ça, après, je passe, parce que vous savez ce que je vais faire. Non, enfin, si, c'est mon téléphone. Vous le savez, c'est sur Insta qu'ils ne savent pas encore. Je vais passer la journée dessus. Donc, voilà. Après, je suis tranquille. Et j'arrive en bas des escaliers. Le facteur se gare. Donc, c'était pas. Donc, voilà mon cadeau. J'ai reçu ma coque aussi, hein, comme c'était prévu. Donc, on va le découvrir ensemble. Et après, je vous laisserai pour chipoter à tout ça. Il faut d'abord que je monte mon haul, parce que c'est pour demain. Pour moi. C'est pas évident, hein, avec les jours. Hein. Alors, packing list. Ah oui, c'est ma carte SIM. Il va falloir que je mette dans mon téléphone. Et voilà la boîte. Putain, c'est lourd. Voilà la boîte. Donc, c'est le Xiaomi. Je sais pas comment ça se dit. 11T Pro et le chien de rentrée. Du coup, j'ai une autre carte SIM dedans. Pas la montre avec. Bah oui, il n'y a pas la montre avec. Normalement, j'étais censée avoir la montre avec. Beau. Alors, bien sûr, il y a le pack explicatif avec toutes les explications et tout ça. Et voilà la bête. Oh, il est trop. Bon, j'arrive déjà pas à l'ouvrir, ça commence bien. Non mais pourquoi ils font ça, coller un truc sur la coque du téléphone? Il y a intérêt pour eux que ça s'enlève facilement. Ouais, ça va. Je vais le coller dans la boîte. Regardez. Il est holographique. Oh. C'est trop beau. Alors par rapport à l'iPhone, donc là il y a la coque, hein, sur l'iPhone, il est un tout petit peu plus grand, plus haut, c'est tout, et plus fin. J'ai une baisse de tension là, ou il s'est passé quoi? Alors, je vais juste essayer de l'allumer. Normalement, voilà. Je vais pas trop chipoter maintenant. Je vais d'abord faire mon montage. J'ai envoyé un message pour à Chérie pour lui dire qu'il n'y a pas la montre connectée avec. Parce que c'était marqué quand même qu'avec un nouvel abonnement, il y avait la montre. Mais là, je ne l'ai pas eu. En plus, il faut que je mette la carte SIM dedans. Donc voilà, je vais faire tous les réglages, mettre la coque, la dragonne, la protection d'écran et tout ça, tout ça. Et je vous montrerai plus en détail le menu et compagnie dans le prochain vlog. Hein. Donc voilà pour ce vlog, j'allais dire haul. Vous savez à quoi je vais passer le reste de ma journée et mon week-end, puisque du coup on n'est pas là du week-end. Demain on est chez ma mère, Carglass et tout ça. Et dimanche on est à l'anniversaire du petit de ma belle-sœur.
Donc voilà, j'ai un week-end assez chargé. Et j'espère que ça va me permettre de me remettre dans le bain la semaine prochaine. Lundi, l'école reprend. Donc ça va m'aider aussi parce que là, j'en ai marre de plus dormir. Ça fait 5 nuits d'insomnie que je dors entre 3 et 5 heures par nuit. C'est très peu. Là, j'ai dormi 2h30. Quoi. Très, très, très peu. Donc voilà, bon, du coup, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain pour le swatch and make-up de la Mimosa de BH Cosmétiques. Et voilà, donc en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous.